Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le 23e épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Breath of the Wild et nous sommes actuellement au domaine Zora. Tout récemment, nous sommes partis à la demande du coup d'un des Zoras, hein, tout simplement, qui était un ancien protecteur de Mipha, un des prodiges qu'il y avait il y a 100 ans du coup, d'après le scénario, affronté le gars. Ganon le fléau à l'aide de la créature divine Varuta, sauf que cette dernière a actuellement été possédée hein, par Ganon, hein, et du coup le but est de la libérer de l'emprise du fléau. Et avec les flèches électriques que nous avons amassées au mont de la foudre, après avoir vaincu, et oui, vaincu le Linel, même s'il y a eu plusieurs tentatives, mais j'étais à chaque fois pas très loin de l'avoir, je me faisais avoir parce que bah, c'était le temps de me réhabituer à affronter un Linel évidemment sur ce jeu. Mais au final, vous avez vu que c'est pas infaisable et que j'ai pu finalement le battre et donc grâce à ça, récupérer plus facilement les flèches électriques. Et on a le compte, 21, on en a même une de plus si on veut. Maintenant, on va pouvoir se rendre, comme dit précédemment, au lac du barrage de l'Est où nous attend Sidon pour pouvoir du coup rentrer au sein de la créature divine qui constituera donc le premier donjon de ce jeu. Ah, je sais pas, ça va. Oh! Allez, on recommence! Voilà ta chance! Oui, j'ai des flèches, c'est bien. Accroche-toi.
C'est parti! Ah. Oh. C'est parti. Au travail, Link. La créature divine. Tu es sain et sauf. Je le savais. Je savais qu'un jour, tu viendrais ici. Tu vas libérer Ruta de l'emprise de Ganon. N'est-ce pas? Absolument. Dans ce cas, tu dois tout d'abord obtenir la carte représentant sa structure interne. Voici la pierre guide qui contient les informations de la carte. Il te faut l'atteindre. Alors... Voici la pierre guide pour la carte. Donc là, ce qui est assez spécial, c'est qu'il va falloir faire bouger la créature depuis cette carte, en fait, en quelque sorte. Et en fait, c'est la trompe qui bouge. On le voit sur le côté. En fait, c'est à quel niveau la faire bouger. Tu as trouvé la carte de la créature divine. Regarde-la bien. Tu vois ces points brillants? Ils représentent l'emplacement des différents terminaux de contrôle. Il te faut tous les activer. Ainsi seulement pourrons-nous récupérer le contrôle de Ruta. Courage, tu y arriveras. C'est bien ce que je compte faire. Alors, ici. Mmh.
Le voici le premier. Il reste encore 4 terminaux de contrôle à activer. Courage! Donc après, je pense qu'il va falloir être monté. Oh. Ah oui, d'accord. Il reste encore 3 terminaux de contrôle à activer. Tu vas y arriver, je le sais. Ah, je pense qu'il y en a un là-dedans. Si on peut monter là aussi, bon. Oui, il va donc falloir ouvrir cette grille et je pense qu'à mon avis, c'est ça qui me manque. Ouais, ça s'avère de ça. Un petit peu tombé là. Ok.
Ah tiens. On va voir ce peuple. On va voir ce antique. Oh merde! Putain, j'ai glissé deux fois! Oh, je suis maladroit, mon petit une pipe! Ah, c'est pas vrai! Aïe 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 aïe! Parce que je vais trop vite. Ok, c'est pas ça. Il reste encore deux terminaux de contrôle à activer. Tu y es. Allez, je peux pas faire autrement là. Cœur antique. Mais oh non, non, non. C'est pas... quatre fois que je me casse la gueule, quatre fois. Ah, oh, c'est, j'en ai marre de remonter ça. À chaque fois, c'est les quatre fois de suite. Ah, oh, putain de merde. Allez.
On va y arriver, c'est pas possible, hein. Ah, la maladresse, mon sang. Voilà, hop. Je prends celui-là. Il ne reste plus qu'un seul terminal de contrôle à activer. Et c'est sur ça que nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. La dernière fois, nous activerons et trouverons, enfin, trouvons et activerons le dernier terminal de contrôle. Et par la suite, libérerons définitivement Varuta, évidemment, de l'emprise de Ganon le Fléau. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cet épisode et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.